Aujourd'hui les potes, vidéo très spéciale car qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous avez pu le voir juste à côté de moi se situe la statue de Momo. Et aujourd'hui évidemment je pense que vous avez pu le comprendre, on va tenter de tout faire, enfin, en tout cas de trouver un moyen pour pouvoir entrer dans cette statue et évidemment découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la vidéo évidemment je ne serai pas tout seul puisqu'il y a Darky en ma présence. Yo mec, comment ça va Twitter? Eh bah écoute, ça va super, je suis super content que tu sois avec moi pour que l'on fasse cette vidéo vraiment incroyable. Alors comme tu as pu le voir, regarde un petit peu la statue de Momo qui a été découverte il y a de ça quelques jours. Donc on va pas se mentir quand même qu'elle fait plutôt flipper hein. Je pense que t'es d'accord avec moi hein, sur elle le coup pas très belle quoi. Elle fait un peu flipper. Et en plus comme vous avez pu le voir, en plus de sa saleté, vous avez pu le voir qu'elle a des vêtements un peu remplis de sang. Donc voilà, avec des taches de sang de partout etc. Donc à mon avis je pense pas que ce soit une superbe gentille personne, tu vois. À mon avis elle a dû faire des petites bêtises etc. Bref ouais, on le découvrira sûrement durant cette vidéo. Et c'est pour ça que je compte vraiment sur toi pour bien que tu la regardes jusqu'à la fin. Et puis Darky, attention, qu'est-ce que doivent faire les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, enfin ceux qui regardent la vidéo actuellement? Et bah ils doivent s'abonner avec leurs petits doigts. Bah oui. Oh là là les potes, et vous si avez tu entendu le fais pas, elle viendra te manger les pieds. Oh, les potes, et bien voilà, vous avez un défi à devoir faire, c'est que dès maintenant, tu dois très rapidement tenter de t'abonner à la chaîne avec le plus petit doigt de ta main. Et si t'arrives à le faire, bah franchement c'est que t'es un beau gosse parce que je pense que très peu de personnes réussiront le défi. Donc si t'arrives, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, voilà j'ai réussi le défi. Mais attention les potes, hein, parce que tous ceux qui ne s'abonnent pas à la chaîne YouTube tout de suite, et bah il y aura Momo qui va venir vous manger les doigts de pied. Hein, donc petit conseil, abonnez-vous vite à la chaîne, c'est super important. Bon bah écoute, tu sais quoi Darky, il faut qu'on réfléchisse un petit peu dans l'attaque. Parce que encore une fois tu te rappelles, la dernière fois on était entré dans le corps de Cartoon Cat. Je sais pas si tu te rappelles, ça s'était plutôt bien passé, enfin un peu bizarre quoi. Ouais parce ça que, va hein. Bah tu t'étais fait un petit peu mal quand même, mais moi ça va, je me suis quand même bien débrouillé. Mais aujourd'hui comme tu le sais c'est Momo, donc Momo est un personnage encore un petit peu plus dangereux que Cartoon Cat. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à un plan d'attaque. Est-ce que tu aurais pas une petite idée qui te vient en tête là de qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je pense déjà faudrait aller chercher du stuff chez le chez Apu et puis après ouais. On verra parce que là. Tu penses qu'on devrait opérer comme ça ouais, donc ouais, d'abord ouais. Dans un premier temps on part. Ok, ça marche. Bah, je pense que t'as raison, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc, eh bah écoute, tu sais quoi, Darky, bah allez, c'est parti. On va directement aller récupérer un petit peu de stuff, donc c'est-à-dire voilà de quoi se protéger un petit peu pour pour aller chez chez Momo. Alors, écoute, tu sais quoi. Pendant que je cherche du stuff, toi, essaye de t'occuper, sinon d'aller chercher, tu sais, des rails et pas mal de blocs. Parce que tu te rappelles, la dernière fois, on avait un petit peu galéré à monter tout en haut. Donc, tu t'occupes de ça et moi, je vais chercher le stuff. Ok. Allez, c'est parti. Let's go. Ok, bon, voilà, on s'est divisé en deux. Voilà, Darky va chercher les rails, les objets, etc. Pendant que moi, évidemment, je vais chercher le stuff. Donc, évidemment, quand on dit stuff, hein, on parle évidemment de, d'armes, on parle de protection, etc. en diamant, si possible. Donc, allez, c'est parti. Tac, je prends ma voiture et direction le magasin d'Apu. On va vraiment récupérer un maximum de stuff histoire d'être vraiment sûr de pouvoir combattre comme il faut face à Momo. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas trop de galères. Donc, allez, c'est parti. Tac, on se met ici. Ok, nickel, voilà, vous avez pu le voir, j'ai garé ma voiture ici. Et c'est parti, direction le magasin à Apu. Ok les potes, regardez-moi ça, Apu est juste ici. C'est parfait. Oh, Apu, comment tu vas, Apu? Voilà. Ça va, Apu? Ça va très bien. Waouh. Aujourd'hui. Eh bah écoute, Apu, je suis là aujourd'hui parce que, en gros, aujourd'hui, on va partir voir Momo, tu vois, dans son temple. Mais le truc, c'est qu'évidemment, je vais avoir besoin de blocs, tu sais, pour pouvoir aller dans son temple. Donc, est-ce que tu aurais pas des trucs pour qu'on aille dans son temple, genre du stuff un petit peu pour se protéger? D'accord, d'accord, tu veux des blocs et du stuff, c'est ça, bien? Bah, des blocs, j'aurais pas besoin parce que j'ai un ami qui veut aller en récupérer. Mais il va me falloir évidemment des armures en diamant, des épées en diamant, etc. Tu vois, des trucs un petit peu pour se protéger, quoi. Donc, est-ce que t'aurais ça? Ok, je vais te donner ça. Hein. Ça marche, ça marche, ça marche. J'arrive. Bon, les potes, c'est bizarre, hein, les amis, parce que Apu, c'est un indien, mais il a un accent, mais pas d'indien, on dirait un accent d'africain ou je sais pas trop quoi. Donc, bon, on va attendre tranquillement, de toute façon, qu'il revienne. Et puis, écoutez, bah, moi, je veux qu'on récupère, eh bien, mon stuff. Donc, eh bah, écoutez, on va attendre tranquillement maintenant que Apu revienne, etc. Et puis, évidemment, on va pouvoir faire tout ce qu'il faut, bien comme il faut, avec mon stuff. Donc, eh bien, c'est parti. On va tu m'as dit armure en diamant, hein? Yes! Ça ou pas? Armure en diamant. Donc, bah, armure en diamant, et puis, bah, écoute, épée en diamant aussi, ce serait nice. Pioche, hache ou juste normal? Bah aussi une pioche en diamant aussi, ça pourrait être cool. Ok, voilà. Ok, comme je te ramène ça. Comme ça on sera bien protégé les potes, hein. On aura vraiment un cran de sûreté en plus, ça sera vraiment nickel. Donc on va attendre tranquillement qu'Apu nous récupère tous les blocs nécessaires. Donc là il est en train de s'occuper de tout fabriquer, etc. Ah, nickel, t'as ce qu'il faut? Ouais, j'ai la demande en diamant. Ah, parfait, vas-y, bah nickel, bah du coup passe-la moi et puis bah écoute. Voilà, la demande en diamant.
Attends. Apu, là, on a un petit problème. Écoute, tu crois vraiment que j'ai tombé dans le panneau? Tu crois que je vois pas ici que c'est des armures en cuir, ça? Oh là là, les amis. Les amis, regardez l'arnaqueur que c'est, Apu. Il voulait me vendre des armures en cuir, en couleur de diamant. Ouais, mais il a cru que j'allais tomber dans le panneau ou quoi? Mais c'est un ouf. Bon, bah, les potes. Eh, Apu, remballe tes trucs. En plus, tu me passes une épée en or. Eh, tu sais quoi, Apu? Récupère tes trucs. Moi, je veux du vrai diamant. Si tu me donnes pas du vrai diamant, moi, je pars de la boutique et je veux dire comme quoi t'as essayé de m'arnaquer, hein. Ok, alors une arme en diamant, c'est un stack de diamants. Non, bon, bah tu sais quoi, moi j'y vais, parce que c'est... Non, ok, je rigole. Ouais, c'est ça, vas-y, passe-moi une armure en diamant, ok, vas-y encore, nickel. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'est 30 diamants. Ouais, 30 diamants. Ok, là ça va, là on peut discuter, 30 diamants, ça le fait. Écoute, tu sais quoi, vu qu'aujourd'hui t'as moyen d'essayer de m'arnaquer, parce que t'as quand même un petit peu essayé, je vais te donner 2 diamants supplémentaires en petit cadeau, d'accord? Ok, c'est bien, mon toutou. Comment, Apu? T'as dit quoi? J'ai pas entendu, j'ai cru mal entendre. J'ai dit ça va les toutous dehors. Oh, ouais, c'est ça, ça marche. Toutou, ok, ça marche. Bon, il fait un petit peu le malin, je trouve, quand même, ce petit Apu, les potes, depuis quelques temps, je le trouve un petit peu insolent. Bref, vous savez quoi, les potes, un de ces quatre, je sens qu'on va l'exploser, ce Quick Market, hein. Parce que, les amis, je trouve que Apu, depuis quelques jours, il prend quand même la grosse tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi pas, les potes, d'ici prochainement, faire une vidéo, voilà, où on explose le Quick Market sur Minecraft. En tout cas, si vous voulez voir cette vidéo dès maintenant, bombardez-moi cette barre de pouces bleus et abonnez-vous tous à la chaîne YouTube et peut-être que prochainement on fera une vidéo où on explosera le Quickie Market, ça pourrait être assez drôle. Et puis bah écoutez, c'est parti, direction chez Darky, à moins que Darky soit déjà chez moi, on va voir ça tranquillement. Oh bah il est là, il m'attendait déjà, nickel, parfait. Hop, tu viens dans la voiture, c'est parti. Non, allez. Attends, je t'ai posé les rails à l'intérieur. Ok, d'accord, ça marche. Bon, on va récupérer les rails alors, parfait. Tiens, ils sont juste là. Ouais, ok, nickel. Ah, wouah, franchement, mais Darky, tu penses toujours à tout, hein, ça fait plaisir. Bah écoute, moi aussi, je t'ai pris ton équipement en diamant, donc écoute, tiens, prends-le. Ok, tu le récupères. Par contre, tu le récupères à chaque fois. Ouais, attends, tiens, je récupère un petit peu. Voilà, donc, on avait dit ça, et je crois que t'as tout ce qu'il faut là, non? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Nickel. Et l'épée. Et puis évidemment l'épée, hein, voilà, donc c'est important. Ah bah écoute, tu sais quoi, je vais récupérer tous les wagons, etc., tous les rails, etc., nickel, voilà, on a tout ce qu'il faut sur moi. Je vais moi aussi mettre mon armure en diamant, histoire que l'on soit un petit peu plus en sécurité, hein, quand même, ça serait cool, voilà, nickel. Bah écoutez, j'ai tout ce qu'il faut, Darky, je pense qu'on est maintenant prêt pour que l'on puisse entrer dans le corps à Momo, qu'est-ce que t'en penses? Et bah, moi, je pense qu'on est super prêts. Let's go dans ce cas-là. Allez, c'est parti maintenant. On fonce tout droit en direction du temple à Momo. C'est parti. Allez, viens, Darky. Let's go. Allez, c'est parti, les amis. On fonce tout droit maintenant au niveau du temple à Momo. Donc, encore une fois, hein, comme vous vous rappelez, hein, on était parti voir le temple à Cartoon Cat. Aujourd'hui, les potes, c'est le temple à Momo. Comme vous avez pu le voir, il est juste là-bas. Il fait assez peur, on va pas se mentir, avec le sang qu'il y a sur lui, etc. Ça donne pas trop envie, mais bon, écoutez, hein, c'est le défi du jour. Il faut qu'on découvre qu'est-ce qu'il y à l'intérieur, donc bah écoute Darky, let's go, c'est parti. Alors j'ai pas vu par contre, attends, tu nous as pas mis de bloc avec les rails? Bah tu m'as pas demandé. Ah mince, on a oublié les blocs. Alors attends, parce que là ça va être un peu galère, à moins qu'on casse des arbres ici, dans ce cas là on pourrait... Dans mon sac à dos, attends, il me semble que j'ai des haches pour du coup casser des arbres. Vas-y, bah nickel, on va prendre des haches dans ce cas là allez c'est parti les potes, nickel, voilà, j'ai une hache en fer, on va pouvoir récolter un maximum de bois, histoire que l'on puisse évidemment ensuite de ça, aller dans le temple à Momo. Donc on va récupérer un petit peu de bois qu'il y a par ici, par là, ok, donc on va essayer d'en choper un maximum. Je pense que si on prend pas mal de rondelles de bois, on a de quoi faire, hein. Donc vas-y Darky, je te laisse t'occuper un petit peu d'en chercher toi aussi. Ok, alors moi les amis, je commence déjà pas trop mal, hein, les amis. Il faut vraiment qu'on en récupère un maximum pour que pour qu'on soit quand même bien protégé. Donc bah écoutez, regardez, j'ai déjà 18 morceaux de bois. C'est pas mal, hein, 18 ronds d'arbres, ça fera plutôt la... Bah je pense que ça peut faire l'affaire en vrai. Donc on va en récupérer quand même un petit peu plus, hein, on sait jamais. Ok, 24 morceaux de bois. Ok, bah franchement, les amis, si j'arrive à en récupérer 64, je pense qu'on sera bon, hein, les potes. Je sais pas vous, mais là, on sera pas mal. Darky, t'en as récupéré un petit peu du bois aussi? J'en ai un stack. Ah ok, bon bah nickel, c'est bon. Darky, il en a un stack, moi j'en ai déjà 36. Donc bah écoutez, à deux, on va pouvoir se faire, et bien évidemment, ce passage pour aller tout droit dans la tête, et pourquoi pas même directement dans la bouche à Momo. Nickel, moi c'est bon, j'ai ce qu'il faut, hein. 39 bois de sapin, on va voir combien est-ce que ça nous fait des blocs de bois. Ça nous en fait, ah ouais, 3 stacks de planches de bois. Eh ben écoutez, ah ouais, ça devrait suffire largement. Regarde, je suis au-dessus de ta tête, waouh. Oui, ok, nickel.
Parfait, bah écoute, allez, c'est parti. Bah écoute, Darky, hein, comme la dernière fois, tu te rappelles, on va faire le chemin sur deux, sur deux étages, enfin sur deux trucs là. Donc, allez, c'est parti, tac, on va faire ça bien comme il faut, hein, comme ça, on n'aura pas de problème. Ok, bon, on va faire ça plutôt propre, vas-y. Je te laisse m'aider, hein, comme ça on va faire ça propre, vas-y, etc. Nickel, ok. Alors il faut qu'on aille jusqu'au corps à Momo, donc ça sera du coup jusqu'à ici, même un de plus, hein, je crois. Ouais, non, jusqu'à là. Ok, on est bon là. Allez, c'est parti maintenant, on avance les amis, il faut vraiment qu'on fasse ça super propre, etc. Parce que la dernière fois, pour ceux qui se rappellent, hein, le pont s'était un petit peu cassé, hein, le pont qu'on avait fait, donc c'était un petit peu hardcore. Allez, aujourd'hui, on va faire ça bien, vous inquiétez pas les potes. Ok, nickel. Allez, tac, on fait ça proprement, bien comme il faut. Voilà. Et franchement, Darky, je pense qu'aujourd'hui, on va pas se cracher. Hein. Je sens que le train aujourd'hui... Là, franchement, ça m'a l'air d'être parfait. Hein. Je sens que le train aujourd'hui, il va bien tenir, hein, quand même, parce que là, on fait ça proprement. D'habitude, on fait ça un petit peu à l'arrache, pour ceux qui le savent. Hein. Ça finit toujours un peu mal, les vidéos. Donc, aujourd'hui, hein, Darky, il faut pas qu'il tombe. Allez, nickel. Hop, regardez-moi ça, on avance bien. Écoute, tu sais quoi? J'ai plus beaucoup de bois, t'en as encore un peu ou pas? Bah ouais, regarde, tiens. Tiens, vas-y, passe-en moi un petit peu. Ah, nickel, voilà. Hein, deux nouveaux stacks. Franchement, les potes, on est super bien, les amis. Je vais pas vous mentir, on est très très bien. Ok, alors fais voir un petit peu par rapport à Momo, où est-ce qu'on est là. Je crois qu'on est quasiment au niveau de sa tête, hein. On y est presque. Ah ouais, là, on est pratiquement tout en haut. On est presque tout en haut, c'est bon? Ah ouais, t'inquiète. Eh ben t'inquiète. Écoute, on a fait du super boulot. Alors par contre, t'es chaud toi, tu fais ça encore plus rapidement que moi, mec. Ah mais je sais, moi je suis super rapide. Ouais, je vois ça, hein, t'es vraiment super super agile. Regardez-moi à quelle vitesse il a fait ça. Franchement, c'est du superbe taf de la part de Darky. Regardez-moi ça, il est déjà tout en haut. Waouh, là tu vas un petit peu trop, hein, Darky, fais gaffe. Voilà. Ouais, mais t'inquiète, on peut peut-être continuer encore plus haut, hein. Non, mais non, je pense pas qu'on en aura besoin d'aller plus haut. Regarde, on est déjà. Non, stop. Hey, fais gaffe. Moi, je vais aller voir les nuages. Non, mais attends, tu vas te faire mal. Arrête. Oh, attendez, il faut pas que je casse vers ici. Darky, non, mais je t'avais dit quoi? Regardez-moi ça, Darky vient de se blesser. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça aussi? Mais pourquoi à chaque fois qu'une vidéo commence bien, ça doit toujours mal se terminer? Regardez ça, Darky vient de se blesser. Attendez, je vais aller le voir, les amis, parce que je crois qu'il s'est fait peut-être un petit peu mal. Attendez, je vais juste un petit peu régulariser le bois qu'il y a ici. Ok, bon, je vais voir Darky rapidement, avant que, évidemment, je fasse le chemin en rail pour monter en haut, parce que là, je crois qu'il y en a un qui s'est blessé. Darky, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais bien prévenu comme quoi il fallait faire attention. Darky? Darky, bon, écoute, tu sais quoi? Écoute, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le temple à moment et je reviens dans quelques instants. Tu bouges pas d'ici, ok? Oh là, les amis, Darky s'est fait super mal, je crois bien. Bon, les potes, écrivez tous dans les commentaires bon rétablissement Darky, hein. Là, je crois qu'il vient de se faire assez mal en se blessant. Donc, écoutez, hein, j'espère que ça ira bien pour lui. N'hésitez pas, voilà, comme je vous l'ai dit, à écrire bon rétablissement à Darky parce que le pauvre, là, je crois qu'il vient de se faire assez mal, hein, les amis, le pauvre. Donc, allez, nous, on va faire le chemin en rail, hein, comme on s'était dit de le faire. Ok, nickel. Hop, on va mettre un levier, je sais pas si ça va l'activer. Nickel. Et bien, écoutez, regardez-moi ça. Ça marche, hein. Donc, c'est exactement tout ce dont on avait besoin. Donc, bah, écoutez. On va se faire un chemin de rail comme ceci, je pense que ça suffira. Voilà, on verra, de toute façon, ok, est-ce que ça va suffire? C'est parti, let's go, hop, on va faire le chemin de rail, on va le faire monter tout en haut. Direction la maison, enfin la tête à Momo, nickel, bah écoutez, voilà, comme ceci. On va faire un petit trou juste là. Alors attention, parce que là, ça va prendre un peu de temps, hein. C'est assez compliqué de creuser dans, dans le béton. Oh, en plus, ça fait mal à la main. Allez, on va casser ce bloc-là. Comme ça, au moins, on est sûr que le wagon rentrera dedans. Ok, nickel. On va juste s'y casser ici, hein. Comme ça, on est vraiment, vraiment très, très sûr que le wagon ira tout droit dans la tête à Momo. Attention. Et c'est bon. Ok, nickel. Donc, voici à peu près à quoi va ressembler le chemin d'aujourd'hui. Vous avez pu le voir, on a fait des rails plutôt sympas. On va les faire, évidemment, descendre jusqu'en bas. Ok, comme ceci, et puis bah écoutez, bah là on est bon, je crois bien, hein. Je crois bien que là, on est bon, donc et bah écoutez, let's go, je vais mettre le wagon, et c'est, attention, c'est parti les potes, let's go, attention, hop les, allez, et boum, c'est bon, je viens d'entrer, comme vous avez pu le voir, dans la tête à Momo. Alors, assez surprenant par contre, parce que je ne vois, je vois pas de, comment on pourrait dire ça, je vois pas de truc de, oh là, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire qu'en fait, il n'y a pas de cerveau dans la tête de Momo, c'est assez étrange. Normalement, je pensais que Momo était un minimum intelligent, mais là, vous avez pu le voir, il n'a même pas de cerveau. C'est assez surprenant quand même, parce que je pensais qu'elle était intelligente, Momo, quoi, donc c'est bizarre. Allez, on va quand même mettre des échelles pour que, au cas où, si jamais on a une galère, on puisse remonter à la surface. Ok, comme ceci, nickel. Voilà, au moins comme ça les potes, si jamais il y a une galère ou quoi que ce soit, hop, hop, en un instant, on est en haut, en un instant, on redescend en bas. D'ailleurs, vous avez pu le voir, regardez, il y a un trou qui nous mène, je ne sais pas où.
Vous savez quoi, les potes? On va entrer dans ce trou et on va découvrir quel est le grand secret de de Momo. Donc si vous voulez découvrir le secret de Momo dès maintenant, restez bien évidemment attentivement jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est maintenant que tout va se passer. Est-ce que Momo a un secret intéressant à découvrir ou non? On va voir ça dans quelques instants. Donc écoutez, bah les amis, c'est parti, entrons dans le trou à Momo et découvrons évidemment quel est le secret que nous réserve Momo. Allez, let's go, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Wouh! Ok. Bon, encore une fois les potes, vous avez pu le voir, on arrive dans un passage un peu secret. Je vais faire un chemin avec des échelles pour que l'on puisse remonter au cas où on a une galère encore une fois. Et bah écoutez, on est actuellement, comme vous avez pu le voir, dans le corps à Momo. Alors qu'est-ce qui pourrait être caché dans le corps à Momo? Est-ce qu'il y a de la nourriture? Est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce qu'il y a un truc de bizarre? On va voir ça dans quelques instants, c'est parti, ouvrons la porte et découvrons le secret de Momo. Ok, alors voilà, je suis actuellement dans le corps à Momo, comme vous avez pu le voir. Alors, il y a beaucoup d'horloges de Cartoon Cat. Ça, c'est un petit peu étrange. Je savais pas que Momo était fan de Cartoon Cat. Ou alors, je savais pas que Momo était pote avec Cartoon Cat. D'accord, donc voilà, ici, rien de spécial. Là, on a accès donc à la salle de bain. Encore une fois, il n'y a pas de Momo. Je vois Momo nulle part. Peut-être sous la poubelle, hein. Peut-être que Momo aime bien manger, aime bien se cacher derrière les poubelles. Non. Ok, et bah écoutez, Momo, je sais pas où est-ce qu'elle pourrait être, hein, c'est assez bizarre. Alors là, les potes, vous avez pu le voir, on a une sorte de porte un petit peu secrète. Alors peut-être que si j'ouvre la porte, peut-être qu'on va retrouver Momo en train de faire des trucs un peu bizarres ou quoi. Donc écoutez, vous savez quoi, je vais essayer d'ouvrir la porte. Ah mais d'accord, ok, donc il y a un code secret. Bon alors le code secret, je vais sûrement réussir à le trouver avec un numéro qui soit caché quelque part dans la base. Donc écoutez, c'est parti, il faut que je trouve dès maintenant le code secret pour entrer dans cette base. Donc eh ben écoutez les potes, c'est parti, trouvons le code secret ensemble. Hein, donc alors, où est-ce que pourrait être caché le code secret? Ok, donc dans la poubelle, il n'y a rien. Là, dans le lavabo, je vois pas de code secret. Dans la baignoire, il n'y en a pas non plus. Les toilettes, ok, pas de code secret, on sait jamais. Bon, les potes, c'est assez étrange parce que évidemment je ne trouve pas de code secret, donc je ne saurais pas vous dire où pourrait être, donc, qu'est-ce qui pourrait être caché dans cette base secrète, enfin, dans ce coffre plutôt secret. Alors, peut-être que dans le frigo, il y a un truc. Non, encore une fois, pas d'indice pour savoir quel est le code secret. Et ben, écoutez, les amis, vous savez quoi? Il va falloir que je fouille vraiment partout. Ok, donc, est-ce que dans le meuble télé, il y a quelque chose? Non, en dessous du meuble télé, peut-être. Non plus, pas de code, rien, aucun indice. Bon, vous savez quoi? On va descendre en bas, puisque j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de caché. Ah, on va quand même regarder sous le lit, vite fait. Bon, rien non plus. Allez, c'est parti, descendons en bas. Peut-être que là-dedans, on trouvera un indice pour savoir quel est le code secret à Momo. Alors, attention, c'est parti. Ok, alors là, on a un passage un petit peu secret. On a un coffre là-bas, mais on a aussi un coffre là-bas. À mon avis, je pense pas que ce soit dans ce coffre-là qu'il y ait quelque chose. Donc, c'est parti. Faisons le petit parcours pour accéder au coffre fort. Enfin, au coffre secret qu'il y a ici. C'est parti, attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, bon, le coffre est vide. Ici, on en a un autre. Il est vide encore une fois. Bah écoutez, imaginez qu'il était vraiment là-dedans et que j'ai pris des risques pour rien. C'est parti. Ok, alors là on a un livre. Alors qu'est-ce qui va être indiqué dans le livre? Ok, donc apparemment le livre s'appelle déjà Momo. C'est assez bizarre. Mais bon écoutez, hein, c'est comme ça. Donc alors, ouvrons le livre. Alors il est écrit comme quoi le... Ah bah ok, donc c'est le code secret, d'accord. Le code secret est 6666. Oula, bon ça fait pas mal de 6, hein. Le 6, je vous rappelle que quand il y a plein de 6 comme ça, ça signifie que c'est le chiffre du diable. Donc c'est pas très très bon signe, hein. Ça donne pas trop envie d'entrer dans ce code. Vous savez quoi? On va essayer de rentrer maintenant le code 6666 dans cette trappe. Donc alors c'est parti, alors on va tourner ça jusqu'au 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va le refaire 6 et 6 et encore une fois 6. Ok, les amis, la porte vient de s'ouvrir. Alors là par contre, je vais pas pouvoir rentrer dans... Oula, oula, il y a un bloc qui vient de se casser les potes. Ok, il vient de se remettre. Ok, bon, vous savez quoi? Les amis, évidemment, ça c'est de la bedrock. Je vous rappelle que ces blocs-là ne sont absolument pas cassables à la main ni avec la pioche en diamant. Peut-être que j'ai la pioche en bois qui me permettait de casser. Non, je n'ai pas la pioche en bois. Donc on va attendre tranquillement, écoutez. Ah, par contre, je peux casser sur les côtés. Ouais, je peux casser sur les côtés vu que c'est des trucs de diamant. Donc je peux voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok, qu'est-ce que... Mais, oula, oula, attention parce que c'est assez bizarre. Oula, oula, je vais reculer un petit peu là. Oula, les potes, c'est bizarre. Momo, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Elle en... Bah là, je peux passer en tout cas. Là, je peux passer ici. Bon écoutez, vous savez quoi? Je vais entrer dans la base et on va découvrir qu'est-ce que Momo est en train de faire. En tout cas, c'est super étrange, hein. J'ai vraiment jamais commencé une vidéo où c'est parti autant en sucette que ça. Donc allez, c'est parti, entrons dans la base. What? Regardez ça, mais il y a combien de cadavres là les potes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 cadavres. Attendez, mais les potes, Momo aurait tué 12 personnes, mais c'est quoi ce bordel? Ok, bon les potes, pour tous ceux qui regardent la vidéo actuellement dès maintenant, mettez tous dans les commentaires, voilà, Momo la tueuse, regardez comment elle est folle. Elle a tué plus de 12 personnes, enfin en tout cas, il y a 12 personnes qui sont empilées ici. Donc écoutez, vous savez quoi? On va aller voir Momo et je vais lui dire comme quoi c'est pas très bien ce qu'elle fait. Attendez, mais c'est Momo, elle veut aller dans le... Mais Momo vient de se libérer là, elle vient de partir dans le monde de... dans le monde normal. What? Attendez, par contre ça c'est super dangereux les amis ici. What? Momo vient de se libérer de la prison, elle est dans le monde, dans notre monde en fait, dans notre ville. Oh, oula. Ok, donc ça c'est super pas bon signe, hein, parce que si jamais on a recours à Momo dans les prochaines vidéos, ça s'annonce d'être hardcore. Écoutez, vous savez quoi? Je crois qu'il faudrait vite que je parte d'ici et que j'aille prévenir Darky pour lui dire comme quoi Momo s'est évadé de sa prison et est actuellement en fugue dans la ville. C'est parti les potes, je vais directement aller chez Darky, je crois qu'il est rentré chez lui. Let's go. Oh bah elle est là Momo, attendez, je vais essayer de l'écraser. Eh hey, toi là, oh ok, mince, la voiture s'est coincée. Oula, ok, bon les amis, voilà, au moins on sait que Momo est actuellement dans le McDonald's. Allez, c'est parti, je vais aller voir Darky, il doit sûrement être à la maison. Il va être absolument totalement choqué de ce que je vais lui annoncer. C'est parti, allons chez lui, je vais lui expliquer bah, évidemment la situation. Allez, let's go, il faut vraiment que je me dépêche hein, les amis, parce que l'heure est très très grave. Allez, j'espère que Darky est chez lui. Ah, il est là, Darky, tu vas mieux? Darky, derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, j'ai mal, aïe! Darky, on a un très gros problème là, vraiment un super gros souci. Écoute, tu te rappelles là, on devait partir dans le corps à Momo, mais sauf qu'on a eu un gros problème. Momo vient de s'évader de la prison et elle est actuellement en fait dans la nature. Elle est dans la ville quelque part, mais elle est partie au McDonald's au dernier moment où je l'ai vue. Mais c'est super dangereux, Momo est dans la ville en train de se balader comme si de rien. Mais what? Mais c'est pas possible! Genre, y'a Momo qui vient de s'évader! Oui, Momo s'est évadée là, elle est en fugue dans la ville, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais il faut qu'on la chope avant qu'elle se mette à tuer tous les habitants de la ville! T'es sûr que t'as besoin de moi pour cette mission? Écoute, je sais pas, mais j'aimerais bien qu'on puisse essayer de la retrouver ensemble, parce que ça serait vraiment hardcore de la laisser un petit peu en ville toute seule, quoi, tu vois, ça pourrait être trop dangereux pour nous et on prendrait beaucoup de risques pour les habitants de la ville aussi! Ok, bah allez, go. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, écoutez, vous avez pu le comprendre. La mission du jour maintenant, ce sera de retrouver où pourrait être caché Momo. Donc, si tu veux que l'on fasse une vidéo pour découvrir où pourrait être Momo dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne et peut-être que dès demain, on sortira du coup la suite de cette vidéo. Voilà, où on découvrira évidemment où est Momo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais en voir plus par rapport, bah, évidemment, à Momo ou d'autres personnages, dès maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Il faut évidemment que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu actives la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne feras plus aucune de mes vidéos. Et puis dès maintenant, tu peux aussi, pourquoi pas, mettre un petit pouce bleu. Vous savez quoi les potes? Merci à tous ceux qui le font, ça me fait trop plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi dans la description un lien pour devenir sponsor. Voilà, chaque jour je fais des dédicaces et je fais même des vidéos avec toutes les personnes qui sont sponsors de la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça, toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, n'hésite pas, pourquoi pas, voilà, à prendre un sponsor boss ou même un sponsor Mega King. Et tu auras le droit à une grosse dédicace dans la prochaine vidéo. Ou même pourquoi pas de faire des vidéos avec moi. Donc ça me ferait trop plaisir. Et merci à ceux qui le font. N'oubliez pas évidemment qu'il y a le lien de ma boutique de vêtements en description. Voilà, tu retrouveras des t-shirts, des pulls, des coques de téléphone et plein d'autres articles beaucoup trop stylés. Voilà, ça me fait trop plaisir les personnes qui commandent chaque jour des t-shirts. Et n'oubliez pas que si vous prenez des produits, eh bien vous aurez le droit à une dédicace sur Instagram ou Snapchat. Donc merci à ceux qui le font. Et puis sur ce les potes, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao.